Je voudrais décliner la carte d'identité du bassin de la Volta. Le bassin de la Volta est partagé par 6 pays qui ont créé l'autorité du bassin de la Volta le 19 janvier 2007. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Ghana et du Togo. Nous sommes 6 pays dont avec un même destin. Utiliser les ressources en eau de cet espace drainé par le fleuve Volta, ses affluents et sous-affluents tels que le Sourou, pour promouvoir l'intégration socio-économique, renforcer la coopération entre les États. Voilà les grandes idéaux qui ont prévalu à la création de cette autorité par nos États. Et notre 5e étape pour faire un atelier de sensibilisation et de formation sur ce que nous appelons le profil de risque d'inondation et de sécheresse dans le bassin de la Volta. Qu'ils vous souviennent que chaque année pratiquement, avec la pluie, on dit bien changement climatique, il ne pleut pas beaucoup, mais il y a des endroits où on vit des scènes d'inondation. C'est dommage, le pauvre paysan a fait 3 hectares de riz ou de maraîcher et en moins de 2 jours, tout est noyé. Est-ce que c'est bon? Est-ce que nous promouvons la prospérité, la richesse? Non. Donc c'est un facteur de pauvreté que constitue la sécheresse ou surtout les inondations. Voilà pourquoi le Fonds d'adaptation au changement climatique, sur la base de nos demandes, a bien voulu financer le projet que nous appelons intégration de la gestion des inondations et sécheresses et d'alerte précoce dans la lutte contre les extrêmes climatiques dans le bassin de la Volta. Et cela passe par un certain nombre d'actions. L'atelier qui nous réunit ici. Nous sommes là pour discuter avec les hauts cadres de l'administration, surtout ceux qui sont impliqués dans la gestion de l'eau, ceux qui sont impliqués dans la gestion des catastrophes, je veux dire la protection civile, la direction de l'aménagement du territoire, tous ceux qui s'occupent des populations, même la santé. Est-ce que vous voyez ? Pour leur dire, bon, voilà dans notre bassin comment ça se produit, quand est-ce que ça se produit, comment faire pour que les gens aient une meilleure connaissance de ces extrêmes climatiques en vue de prendre les dispositions nécessaires quand ça va advenir. Mieux, ce projet nous aide à avoir des outils de modélisation, des outils d'annonce précoce des inondations ou de sécheresse. Vous voyez que c'est très important. La Direction nationale de l'hydraulique, nous, à Ouaga, direction exécutive, les autres directions au niveau des pays, nous allons utiliser ce produit de modélisation, de prévision des inondations et des sécheresses sur notre espace pour savoir dans telle zone, de telle période à telle période, on risque d'avoir ci, on risque d'avoir ça. Venu faire, quel est cet outil? On va faire la démonstration aux techniciens, aux cadres qui sont là pour qu'ils aient une connaissance. D'ici la fin juillet, il y aura une formation pointue avec les techniciens hydrologues, les IT et les gens de la météo pour la prise en main de cet outil de modélisation, cet outil d'alerte précoce aux inondations et aux sécheresses dans le bassin de la Volta. C'est notre modeste contribution au développement. Nous ne pouvons pas nous développer si on reste là les bras croisés et les phénomènes viennent nous surprendre. Il y a parfois même des morts d'hommes. Vous voyez, nous ne voulons plus ça. On a d'autres choses à faire. On a de l'eau, on a des terres et on se couche le ventre vide. Est-ce que c'est normal? Nous devons nous développer à partir de nos ressources naturelles.